Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Mars TV, ouais, la chaîne du Japap, du Béret, oui, nous on reprend toujours présent, on est là, hein, bon dimanche à tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi, moi par contre j'ai dormi excellemment bien, hein la famille, je suis tombé sur une vidéo d'Axel Merrill hier où il était dans une interview dans une chaîne de radio là-bas en Guinée. On l'a posé la question. Tu es sorti avec Kimi, donc pour savoir s'il y a eu histoire d'amour, non, entre vous. Vous pouvez vous mettre la vidéo, vous allez écouter sa réponse. Après, on va en discuter, comme toujours, hein, la famille. Ok. Je sais, she want me back. I never paid a promise to be faithful, tired. To the day she got me cold. Axel, business, quoi. Axel, est-ce que tu es sorti avec Kim? Voilà. Dis-nous la vérité. Tout à fait, tu vois, t'écoutes. Maintenant. Terre à terre. Voilà. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Tu crois pas? Depuis que tu as arrivé à Abidjan, est-ce que vous êtes rencontré? Non, tu poses beaucoup trop de questions à la fois. Première question. Vas-y. Tu es sorti avec Kimi Makosso. Depuis que tu es là. Non, je ne tourne pas. Juste que vous savez, que ce soit Kim, que ce soit moi. Ok. Aucun de nous, au fait, n'aime, au fait, dire, au fait, ce qu'il en est. Ok. Oui, c'est comme ça, au fait, que ce soit elle, que ce soit moi. Mais ce qui est sûr, c'est que il y avait une histoire. Il y avait, ok. Il y avait une histoire sur, comment je vais dire, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les lives, tout ça. Mm-hmm. Et vous avez bien vu, en fait, ce qui s'est passé après, vous voyez, ce qui s'est passé après. Mais nous, on ne va pas venir dire que, ah, on a fait ça, il y a eu ça, on est ci, on est ça. On préfère vraiment que les gens pensent ce qu'ils veulent, même si actuellement. En fait, actuellement, pour faire ce que les gens pensent qu'ils veulent, et pas après, ils n'ont qu'à se taper entre eux. D'accord. Tu es Axel. Que du business, quoi. Vous avez suivi, non? Il dit que il préfère ne pas être clair sur ce sujet-là, parce que il préfère que les gens, laisser les gens n'ont qu'à bagarrer, se taper entre eux. Vous comprenez, non? Les gens, donc, je vous dis que les gens, les ozos, quoi. Les ozos et les ozettes. Les gens qui les veulent du mal, qui mal parlent d'eux, vous comprenez un peu. Mais le plus important sur ces phrases, c'est que nous, on préfère rester tranquille. Nous, lui est qui? Lui est Kimi, bien sûr. Il préfère garder le silence. C'est la première fois que, depuis un bon bout de temps, que j'écoute Axel parler comme ça au pluriel. Parler pour lui et Kimi. Oui. Je dis que vous allez sauf que vous bagarrez. Oui. Ah, en plus, comme maintenant, là, vous savez que Kimi va quitter les réseaux pour un temps. Oui. Elle est vraiment, tu sens qu'elle, la fille là, elle subit trop de pression. Oui. Trop de pression. Oui. Makosso, il faut doser. Hein. Il faut doser. Cesse d'utiliser ta fille, s'il te plaît. Cesse d'utiliser ta fille un peu. Laisse elle se repose un peu. Ok? Oui. Quand on va dire ça, les gens vont dire, c'est sa fille, non? Il a le droit de l'utiliser. Voilà, vous voyez le résultat, non? Voilà les retombées de ça, de l'exploitation, là. La fille a peut-être, elle subit trop de pression. Elle veut voir un surménage, là, pour rien. La pauvre. Ouais. On va faire comment? La vie, si. Quand tu as un papa et une tante qui profitent derrière toi, depuis que elle est sortie, dit là, deux ou trois phrases qu'elle sort, elle dit dans un live. Sa tante ne fait qu'enchaîner les lives maintenant. C'est comme si on l'a donné maintenant le sujet maintenant pour venir. Donc elle vient décortiquer, elle vient enterrer. Donc vous voyez, donc j'espère que vous vous êtes rendu compte. On est en train de revenir sur la situation d'avant. Que Kimi ne sorte pour dire qu'elle veut la paix et que elle-même elle a une mouche pour parler et tout, qu'elle veut la paix et que les mères ont enterré la hache là et tout de guerre là. On est en train de revenir, Lolo Bota est en train de revenir sur ça.
petit à petit. Donc, elle nous est en train de nous introduire ça petit à petit. Pour qu'on ne vous êtes pas rendu compte. C'est ça qu'elle est en train de faire là. Maintenant, on est en train de revenir sur la situation d'avant là. Qu'elle sort chaque jour là. Elle va maintenant faire les lives chaque jour maintenant pour parler de ça. Pour raconter. Je suis live là où elle racontait déjà que l'histoire, oh manipulation, oh le clip était comme ça là, après le clip, c'est après le clip, de, le tournage du clip qu'on a dit à Kimi que, oh, Arcel est en couple, et après on essayait de l'obliger à continuer, c'est monté, patati patata. Donc ça sera comme ça. Et là tu organisais les petits lives comme ça pour raconter les histoires là. Oui. Pourtant, sa nièce est déjà venue trancher que. Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas eu de manipulation. Et les gens, si quelqu'un te dit, tu viens, tu dis, aïe, je sais que tu as mal au pied là. Oui, tu t'es fait mal. Elle dit, non, non, ça va. Mais la personne insiste que ça te fait mal. Donc la personne ressent la douleur plus que toi. T'as-tu dit qu'il n'y a pas eu manipulation? Moi, on vient te dire qu'il y a. Les gens te disent qu'il y a eu manipulation. Donc les gens, ça fait mal aux gens plus que toi qui es manipulé. Puisque toi, tu es en train de dire que tu n'as pas été manipulé. Mais les autres, te contredisent. Pourtant, c'est toi qui vis la situation. Vous comprenez un peu? C'est ce qui est en train de se passer là maintenant. Là. Donc, elle va rester tranquille. Elle part hors des réseaux un peu là. Elle se voit avec son gars. Elle yamo son gars. Vous comprenez un peu? Elle disfruta de son gars un peu. Hein? Tranquillement là, en privé. Donc, restez là, vous tapez. Vous vous tapez entre vous là. C'est votre problème. Oui, je comprends qu'on veut créer le buzz, que le buzz continue, parce qu'on veut avoir les sujets pour écrire, mais les sujets pour lesquels débattre, faire les lives, mais je me dis que le bien-être de ces jeunes-là doit être plus important. Ça doit être mis en avant, vous comprenez un peu. C'est mon opinion, hein, oui. Si d'ici ça se considère que tout est calme sur le net, on va parler de leurs aventures, de leurs amours, de leurs trucs. Il y aura toujours des sujets à parler. Les gens veulent que ça continue, que pourquoi il y a toujours débat ici, insulté par-ci, par-là, pour avoir de quoi. C'est comme si, avant qu'ils n'avaient pas les problèmes, on n'avait pas les sujets pour faire les lives avec. Il y a toujours les sujets. Tant qu'il existe les mauvaises personnes, les troubadours sur le net, il y aura toujours les sujets, sur quoi parler. Faut laisser les enfants là. Hein? Alors celle-là d'ailleurs dit non, que vous allez vous taper seulement. Il laisse le suspense. Je ne vais pas vous dire si c'est qu'ils sont ensemble là maintenant, ou ils ne sont pas, ou ils ne veulent rien éclaircir. Je préfère rester comme ça là. Laissez ça comme ça là, vous comprenez un peu. Hein, la famille, c'est prêt à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein? Bisous et hasta prontito.